Les mauvaises herbes sont l'un des facteurs qui réduisent le rendement rizicole à Madagascar. Les pertes de rendement peuvent varier de 28 à 80% sans lutte contre les mauvaises herbes. Les riziculteurs comptent principalement sur le désherbage manuel ou mécanique pour réduire ces pertes. Cependant, ces pratiques nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et de temps. Pour remédier à ces contraintes, de sarcleuses motorisées à double rangée pour la riziculture irriguée, venant de Tanzanie, ont été importées à Madagascar pour être testées dans la zone rizicole de Menabe. L'une de ces sarcleuses a été amenée dans la commune rurale d'Akilzatu en mois de février 2021 pour conduire l'essai avec les riziculteurs de la zone. L'essai a effectué pendant 2 saisons de culture successives avec le support des techniciens de la D2M. Au total, 89 participants ont testé la sarcleuse motorisée, dont 54 participaient lors de la première saison et 35 paysans pour la deuxième saison. Plus de 60% d'entre eux sont des femmes et des jeunes. Leurs retours ont été généralement positifs. 70% d'entre eux considéraient que l'utilisation de la machine est rentable, facile à utiliser et rapide pour désherber. Tandis que 30% insistaient sur le coût d'acquisition de la machine une fois disponible. De plus, ils ont évoqué quelques suggestions pour l'amélioration de la machine. Ces suggestions concernaient principalement sur la possibilité d'ajustement de l'écartement de sarclage et la réduction du poids de la machine. Voici l'un des participants expliquant ce qu'elle a appris lors de l'essai du premier sarclage et du second sarclage. Tsara le miava amin'ny sarcleuse mandeha moteur satria voady ady tsara le fototry ny vary sady afaka tsara le aidratsy ankoatran'izay koa mba malakilaky koa le mampiasa ny sarcleuse moteur ity malakilaky vita le asa raha ampitahana amin'ny le sarcleuse tsotra le hazo reny de mety mampihena henany depense ihany koa Maniry koa aloha zahay hanana sy ampiasa ny sarcleuse moteur ity raha ohatra ka mba azonay atao ny vidiny. Madame Pascaline et Monsieur Alfred aussi disent comme Madame Christine. Ils sont satisfaits de la machine et aimeraient l'obtenir aussi. Lors des 2 saisons d'essai, Africares en partenariat avec Fofifa et AD2M recueillait des feedbacks à travers un questionnaire auprès des participants et du fabricant local. Ce dernier a développé la sarcleuse pour adapter aux conditions locales et aux préférences des agriculteurs. Ici présent, l'interview avec le fabricant local M. Elodie, qui explique les modifications entreprises avec la machine et son avis à propos de celle-ci, ainsi que la possibilité de fabrication au niveau local. Ça dia miaranesa tamin'ny African Rift de sarcleuse ata mandeha motera zany mety be fa misy zavatra tsy maintsy namboarina satria tsy mifanaraka le rayonnaire sy le sarcleuse teo le nage d'origine tsy mety reglena amle hoe espacena 18-16 fa lasa mampiasa 22 ihany
de nanamboatra an'ilay carte bleue zany aho afaka anamboarana an'ilay sarklezy io atao 18 à 16 dia ilay sarklezy zany a mety be fa le olona zany a tena mora ny mampianatra anazy a sy mampiasa anazy ary vetivety le fampiasana ny fihavana vary amin'ilay sarklezy ary ilay sarklezy koa zany a mahavita bebe ianao a ony manao sarklezy mitanana ampiasana mitanana satria le mandeha motera vetivety ianao a dia mahavita ary le izy koa tsy dia mikosoma fa manome rendement zany ianao raha mampiasa anazy satria ohatra anao zany hoe manarama sarklezy tanana hoe eo amin'ny herinandro dia nefa ny vita indray andro aminazy dia le izy koa raha manarama anao zany hoe andeha hoe anarama olona tokony eo amin'ny valerana hoe efatsalina anao ampiasanao an'le avatanana dia nefany a amindreo ohatra hoe vidy karburana ao dia mety eo amin'ny karburana 500 na 5000 eo ihany dia mahafinaritra zany izy tsara ary mety amin'ny tatsaha mihitsiny fa ny vidi ny tian'ny olona ho fantatra sy ho vidiny zany afantarany an'le vidiny ary fa efa betabe zany le olona hoe manontany an'le sarklezy hoe ahoana ty sarklezy ty misy ve sa ahoana sa dia za ndray zany a mila olona ho namako amin'le fifidianan'le motera sy satria za mahavita namboatra an'le carte bleue le mombamomba anazy. À partir des résultats de l'essai, la consommation en essence est d'environ 8 litres par hectare et la machine peut sarcler 0,5 hectares par jour. Pour conclure, les sarcleuses motorisées peuvent aider les paysans pour leur activité de désherbage. En termes de gains, elles peuvent réduire la quantité du travail et les dépenses nécessaires pour l'activité. De plus, elles facilitent la vie des femmes et des enfants qui s'occupent principalement du désherbage. Alors, la disponibilité de cette machine sur les marchés locaux est très importante. Les paysans aussi sont très enthousiastes pour acheter et utiliser cette sarcleuse motorisée.